Et bonjour à tous, bienvenue les amis pour ce nouvel épisode sur Jurassic World Evolution, j'espère que vous allez bien et content de vous retrouver, très clairement, très content de vous retrouver pour la suite de cette île où on a encore quelques petites choses à faire. Alors on a 4 dinos, rien de fou, mais en tout cas on est sur des finances qui sont positives et surtout, il y a un truc que j'aimerais bien faire aujourd'hui, c'est ça. Donc max de victoire, il faut que l'on arrive à avoir un dino en gros. Un dino qui doit remporter 2 combats. Alors forcément, plein de choses sont en tente, hein, peu importe le dino que l'on met. On met un carnivore là-dedans, 2 petites merdouilles herbivores, on sait qu'ils vont se faire dézinguer. Là-dessus, il n'y a pas de débat. En tout cas, voilà, l'enclos ici est prêt. Ça ne correspond pas forcément, par contre, à un environnement d'un dino qu'on va mettre dedans. Mais je vous avouerai que, malgré le prix... on pourrait la jouer tranquille et mettre un Ceratosaurus. Bien évidemment, on peut mettre du Raptor, mais pour l'instant, on n'a pas encore énormément de carnivores. Et je pense que vous l'avez vu du coin de l'œil. On a le T-Rex. Il est un peu cher. 1 964 000. Oh, mon doigt a glissé. J'ai mon doigt à glisser. Mon doigt a glissé. Donc, allons-y. Vous l'avez compris, hein. J'ai envie d'avoir un T-Rex parce que... Alors ça va être... Merde, je suis blindé, j'ai pas fait gaffe. Ça va être super risqué, bien évidemment. Y a un gros danger, ça c'est clair. On récupère un peu de thunes parce que ça a tapé dans mes finances quand même. Mais ouais, vous imaginez sincèrement, là on se retrouve avec un T-Rex dans le parc. Franchement, c'est tentant, hein, on est bien d'accord. Donc... Voilà où on en est. On va lancer tous ces trucs là, 90. On lance tout, on lance tout, on lance tout. Je peux pas prélever l'ADN avec lui, pourquoi? Il est à 98%. Pourquoi je peux pas le prélever lui? Prélever l'ADN? Ah attends, j'ai peut-être... Oui, je suis à 6 sur 6, voilà, j'ai failli le vendre. Bon, au pire, je vendre un truc d'Ankylosaurus, c'est pas la mort. Donc, l'objectif, il est simple, il est là. Ça va être effectivement donc de balancer un Rex dans l'enclos. Et ensuite ici, il faut que je trouve un dino le moins cher possible en fait. 150, 170, 210, 165, pas un Raptor, vous l'avez compris. Histoire d'organiser en fait à 30 000. Oh purée, t'es dans la merde. T'es dans la merde, on a un gagnant. On a un gagnant, il est là. Voilà, 30 000, je suis désolé. Tu as été voilà, désigné d'office, 1,4 million. Bon, les finances, ça va encore. Mais bon, forcément, notre petit jeu va nous coûter un peu cher. Alors, ceci dit, si tout se passe bien, cet enclos-là, je le conserverai pour mon Rex quand même. Alors, j'espère juste qu'il ne va pas se balader un peu partout et faire le couillon. Ça me ferait un peu peur et ça m'embêterait surtout. Un pas vivant, combien ça coûte? 200 000. Ok, bon, on va le mettre, et bien évidemment, vous voyez ici la porte d'entrée là, on va le mettre juste à côté de la porte, d'accord? Parce que je suis pas foufou non plus à ce point là, comme ça on pourra le recharger facilement. Donc oui, le but c'est que forcément le Rex reste là, et soit bien évidemment notre attraction principale dans ce parc, et que... Je l'espère, les finances vont pouvoir suivre derrière. C'est un petit peu l'objectif de cette EP. L'incubation est un petit peu longue, donc ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement une petite ellipse, le temps que notre ami soit frais et prêt dispo pour pouvoir s'organiser des petites sessions fight. Alors on est censé faire 2 victoires quand même, ça va être assez facile à mon avis, mais en tout cas voilà. Voilà l'objectif, donc je vous dis à toutes du coup. Et alors? J'espère que vous êtes prêts, c'est peut-être le moment où je vais regretter ce que je vais faire. Mais maintenant qu'on y est, allons-y. On peut plus revenir en arrière, il est là. Oh purée la vache. Ok. Oh là là. Oh, mais laisse tomber. Vous imaginez si c'était possible de se retrouver en face d'un truc pareil? Sincèrement. Interaction? Ah, il peut être que tout seul. D'accord. Donc santé, c'est bon. Nourriture, l'eau, c'est bon. Confort, c'est bon. Prairie, c'est bon. Forêt, c'est bon. Par contre, interaction, il faut qu'il n'y ait personne avec lui.
Oh, il est magnifique! Oh là là! J'en ai des frissons! On a un T-Rex, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte du bordel qu'on vient de balancer. On a un T-Rex. Alors, le gros problème, c'est que là. Aïe, 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 aïe. En fait, je vous dis ce que j'ai envie de faire. Je sais que c'est sûrement une connerie. Allez, on va sauvegarder rapidement. Je vous dis en fait ce que j'ai envie de faire. Je pense que c'est une connerie. Hein. J'ai envie de prendre ma bagnole pour pouvoir être à côté en fait et regarder et quitte à prendre une photo pendant qu'il y a le fight en fait. Je sais, je sais, je sais, vous êtes en train de vous dire, mais quelle idée de merde. Et en même temps, je peux pas m'en empêcher. J'ai vraiment envie de me dire, allez, je fais popper le dino. Je prends ma bagnole et puis j'essaye de faire une photo pendant que le T-Rex il est en train de péter le bordel ou je sais pas, tu vois. En tout cas, attention, je vous préviens, je vous le dis, à mon avis, le Rex il va nous charger les finances comme pas possible. J'ai quand même bon espoir que nos finances soient très 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 bonnes. Je l'espère. Donc maintenant, il me reste des choses à faire. Dans cette zone-là, il va bien évidemment falloir. Je suis un peu perdu là, où est-ce que je suis? Non, si, c'est ça. Dans cette zone-là, ce qu'il va falloir que je fasse, bien évidemment, c'est que je rajoute un abri, des chiottes. On est dans une zone qui est assez excentrée, hein, pour l'instant. Ouais, j'ai mis la porte ici. Ok, alors bouge pas, reste là. Bouge pas, hein. Reste là. Il est où mon Rex là? Il est ici, il est juste à l'entrée, putain. Vous êtes prêts? On y va? Pas de regret. Transférer. Alors peu importe de l'animation, hein, voilà, hein, il fait ce qu'il veut, il assume, je veux pas le savoir. Conduire véhicule. Allez, 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 fais vite, fais vite. J'espère que je vais pas me faire becter, hein. Ah! Il est là-bas. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais me faire charger, les gars. Oh là 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 là. Je vais me faire charger, hein. Oh là là, purée. Donc, combat de dinosaures, je sais pas s'il va se taper, en fait. J'ai limite un doute, en fait. Est-ce qu'il va se battre contre le petit dino ou pas? Oh, il est imposant de ouf quand même. Hein. Franchement, il fait vraiment peur. Hein. Je pense qu'à l'époque. Enfin, à l'époque, bien évidemment, l'humain n'était pas. Allez, vas-y, tiens, je me fais 22 000. Autant en profiter pour se faire un peu de cash. L'humain, l'être humain, n'a pas cohabité. Enfin, si, ceci dit, hein, les hommes préhistoriques ont cohabité. Alors, je sais pas si ça collait vraiment avec les Rex ou juste avec peut-être d'autres races de dinosaures. Mais à mon avis, tu devais quand même pas faire le fier. Oh purée, il va le becter ou pas? Non, non, pas moi! Pas moi, t'es sérieux, c'est l'autre que tu dois becter, hein? Ok! Ok! Vas-y, becte la chèvre! Alors attendez, je vais juste faire une chose vite fait. Santé 100, ok. J'avais peur de la santé. Je veux pas que sa santé diminue, hein, parce que je suis là en train de faire le couillon ou. C'est moi qui charge. Non, 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 je suis bloqué. Oh! Non! Mais non! Mais non! Mais t'es pas sérieux! Ok, il est resté au fond. Se mettre ici. Sinon, on va devoir faire éclore un. Il est où le petit dino là? Il est où le petit herbivore? On est dans un jeu de gestion où je suis censé gagner du fric et construire mon parc. Je suis en train de faire le couillon avec un Rex. Je suis en train de me demander en fait pour qu'ils se battent. Ouais, non, regardez, l'autre il sert à rien, il est en train de se balader, hein. Ok.
En fait... Non, il s'en contrefout. Ok, il s'en contrefout. Ma comptabilité, je suis à plus 107 000 alors que j'étais à 30 000 à la base. Hein, donc le Rex fait son effet. Ce qu'on va faire, c'est très simple. On va ressortir. Et je pense que pour que les dinos se battent, bah, il faut qu'il y ait un intérêt. Enfin, voilà. Ils vont pas se battre comme ça. Comment je fais pour le réparer? Nécessite des réparations. Bah vas-y, va être réparé ou reste là pour l'instant. Au pire, je m'en fous. Ce qui est sûr, c'est que lui... Oh non, tu vas pas le becter alors que je me suis barré quand même. Non. Non, il s'en contrefou quoi. Mais quel enfoiré. Ok, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être du gros gâchis financier, mais c'est pas grave, hein. C'est la vie. On va faire un raptor. Est-ce que je dis pas de conneries, un raptor et un rex, ils devraient se foutre sur la gueule? Sinon, il faut que je fasse un ceratosaure, ou il faut que je fasse un gros truc. J'ai quelques doutes, là, quand même. Équipe de garde, je peux pas les réparer, ici? Non, je peux pas, bon. Ok, il va aller à la base, et puis il va le réparer. Hein. Il faut que je fasse quoi? Il faut que j'endorme. Ok, on va balancer un tranquillisant sur le petit, là. Parce que tant qu'à faire, autant le vendre, hein, même si je le vends 10 000. Écoutez, ça me permet de récupérer au moins un tout petit peu de fric, ça sera toujours ça de prix. L'avantage, c'est qu'en attendant, mes finances bah, sont tirées. Non! Il va le bouffer? Si! Non. Je pensais qu'il allait le charger, en fait. Ok, non, j'ai cru, j'ai vraiment cru qu'il allait le charger. Alors peut-être que l'enclos est trop gros et trop grand hein, pour qu'il se tape. Hein. À un moment donné, tu vois, il est tellement... il voit rien, il est trop haut, tu vois, et... Peut-être, j'en sais rien. Je suis content parce qu'on a un Rex, et puis en même temps, je suis un peu dégoûté parce que je pensais vraiment qu'on allait pouvoir le faire bouffer un autre dino ou un truc comme ça. Oh mon dieu. Allez, vendre le dinosaure. 13 000, ok, donc je perds 17 000, c'est pas trop grave, tant pis. Tant pis, malheureusement, ça fait partie du jeu. Comme on dit, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ici, 45%, ok, donc lui, il avance tranquillement. À la limite, ce que l'on peut faire pour l'instant, c'est que ma bagnole devrait être en chemin pour aller se faire réparer. Ah bah ça y est, elle est réparée. Voilà, parfait. Et dans ce cas-là, on peut peut-être lancer des expéditions. Histoire de continuer un petit peu à maxer un peu les trucs. J'ai bien avancé, hein. Dracorex il est full, j'ai pas mal de dinos qui sont full, donc c'est pas mal. Bon, on va faire ça. Il y a beaucoup de dinos, donc peu importe les géodomes qu'ils récupèrent, ça me permettra un peu de maxer tout ce bazar. Ok, très bien. Et le centre des fossiles, il est vide. Tout va bien, écoutez, on va attendre que... Ouais, allez, vas-y, va le vendre, écoute, hein, c'est pas grave. Hein. On va attendre, ouais, on va attendre que le raptor soit prêt pour voir ce que ça va donner. Allez, on y est. Alors par contre là, il y a potentiellement très gros danger, parce que entre le raptor et le rex, ça peut faire du dégât, clairement. Si je suis pris en chasse par l'un des deux, je risque de prendre cher. Mais écoutez, hein, voyons voir ce que ça donne, je ne sais pas. J'aimerais bien quand même que bah, les combats s'enclenchent en fait. Parce que je suis censé avoir deux victoires avec... Merde, j'arrive pas, je suis bloqué avec quoi là? Pourquoi j'arrive pas à conduire? Je veux pas rater le spectacle, hein, je te le préviens. Je sais pas ce qui me bloquait. La peur peut-être? Peut-être la peur. C'est possible. Hein. Oh putain, je suis en train de jouer comme une merde. Oh! Non, ils sont en train de se taper, vite! Oh non, je l'ai raté! Oh non, je l'ai raté! Allez, photo de sa victoire. Pénalité. Ah ben oui, forcément, c'est pas grave, ça fait un peu de thune. Ce que nous faisons ici, personne... Oula. Échec de la mission. Oh non! Chaque action est un risque calculé. L'anticipation que la sera plus grande que le sacrifice consenti pour arriver à nos fins. Mais nous n'avons pas le choix. Il faut prendre ces risques pour atteindre notre objectif. Oh non! Population de dinosaures active, stable et robuste. Ah, j'ai merdé! J'ai merdé! En fait,
Oh, il y a un truc qui m'échappe. Mais quel con. Attends. La survie du plus fort, c'est une loi de la nature qui s'applique aussi à nos installations. Ça nous aide à séparer à... Ouais, tu en agrès, on aime les moyens de tueurs. Ok. Ma mission ici, elle n'est pas à 1 sur 2, donc en fait, ça ne compte pas pour une victoire. Donc en fait, mon dinosaure ici, c'est pas une victoire. Et mon raptor mort, ça m'a fait échouer ma mission qui est censée me rapporter 2 millions. T'es la loose. Ok, donc bon. Là, je crois qu'on a fait du caca. Donc on va charger. On va charger. Le seul truc qui m'embête, c'est que le raptor qui est prêt, qu'est-ce que j'en fais? Je peux le laisser là en soi, hein, vous allez me dire. Hein. Je peux le laisser là et puis faire une espèce de petit sas, l'endormir et puis après le transporter dans un autre enclos. Hein. C'est pas perdu parce que le raptor est cher quand même. Hein. Il est quand même cher. Par contre, ouais, créer un génome, veiller à ce que chaque dinosaure se trouve dans un enclos sécurisé. C'est marqué nulle part qu'il doit pas mourir. Si, ici. La mission sera un échec si l'un des dinosaures meurt. Oh. Mais c'est pour ça, Brigitte, que tu m'as dit que du coup ma mission a été échouée. Purée, c'est pas cool. C'est pas cool. Parce que du coup, je sais pas ce que je dois mettre là-dedans, moi. J'ai limite envie de balancer une autre incubation pour qu'on voit notre fight, en fait. 550 000, 317. Le Dilophosaure est moins cher. C'est un carnivore, donc à mon avis, il va y avoir de l'agressivité. Et en même temps, je pense qu'un Ceratosaure va forcément se taper contre un Rex. Je suis en train de dépenser de la thune, les amis. Je suis... Avec mes espèces de tests pourris à la mort moelle-neuve, je suis en train de dépenser un fric monstrueux. Ce qu'on peut faire ici, concernant le Raptor, vous voyez ici, on peut mettre une clôture autour, l'endormir et le déplacer vers un autre enclos. Enclos, bien évidemment, qui ne sera pas l'enclos ici des herbivores, parce que sinon c'est un peu couillon. ce serait même très très dommage, vu qu'ici tout se passe bien. Mais ah, j'ai un peu du mal à mettre en place ces combats. Hein. Je pense que le Rex fait un peu flipper tout le monde. Le Ceratosaure, peut-être. Je pense que si le Ceratosaure meurt, il ne me fera pas échouer cette mission ici. Et peut-être que ici, là, ça comptera comme une victoire, espérons-le. Sinon, là, j'ai lancé une incubation qui servira à rien. Hein, donc, ça serait un peu dommage quand même. Hein. Prélever. Oula, c'est parti. C'est allé vite là. Ok, on peut le vendre. Je récupère un peu de thunes, ça me permet de rééquilibrer et de corriger mes conneries. Hein, vous l'avez compris. Lui, il est à 100%. Vente 60 000. Que du bonheur. Tiens, hop, 24 000, des bisous. Super, 120 000. Ok, donc là, voilà, c'est rééquilibre. Notre Rex ici, on devrait pouvoir le mettre à 100%. Ok, cool. Bah écoutez, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Ouais, j'ai rajouté quelques petites boutiques de plus, hein, histoire qu'au niveau. On est à 892 ici en service, c'est pas énorme. Donc il faut que je rajoute en fait tout ce qui est galerie panoramique, et notamment une autre ici, je pense. Pour que derrière, financièrement, ce soit un petit peu plus intéressant pour le parc. Le Ceratosaure prend un peu de temps à venir, ce qui est normal. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts et espérer qu'on enclenche un combat, ce que j'espère. Bon. Est-ce que cette fois c'est la bonne? Ou pas? Transférer. On transfère du lourd hein, quand même. Hein. On transfère du lourd, on transfère du gros. Je pense que c'est un petit peu risqué. Pour moi, bien sûr, mais pas que. Donc écoutez, on va essayer de se mettre un tout petit peu à l'écart. Vous avez vu la petite chèvre là-bas, hein, elle se balade. Oula! Ok. Si, les mecs. Non, ça sert à rien de l'avoir fait ça. 32 000! Oh! Vas-y. Oh, le billet que je viens de me faire, poteau. Ah non, il va bouffer la chèvre. Non, 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 pas moi, pas moi, pas moi. Non, l'autre, le Ceratosaure. Mais j'en peux plus de ces dinos. Mais j'en peux plus. Il vous faut quoi, les mecs? Il vous faut quoi? Vous avez vu la prise de risque que je prends, quoi? Mettez-vous sur la figure, bordel. Ok, il est là-bas. Stop, 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 stop. Par contre, il y a une chose que je comprends pas, en fait, c'est... Pourquoi...
Pourquoi il met la radio en fait? Parce que s'il met la radio, on va se faire entendre en fait. Il charge qui? Mais il cherche personne! Ils s'en battent les cacahuètes! Ils s'en battent littéralement les cacahuètes, les deux. Et vous savez quoi, à ce rythme-là, ils vont faire des bébés en plus. Hein. Ah, il est en train de renifler, de chercher peut-être une chèvre. Ah! Allez, dis-moi que c'est la bonne cette fois-ci. Vous allez vous taper, les mecs. Vous allez vous taper. Combat! Yes! Vas-y, vas-y. Mets-lui une droite, une gauche. Oh yes! Oh yes, les mecs. Ils sont en train de se taper. Oh. Petite photo, petite photo, petite photo. Je suis obligé. 41 000. Oh my goodness. Oh my goodness. Bon, le Rex, je pense qu'il va le plier. En tout cas, on a notre combat. C'est un peu cher, hein, je suis d'accord. Hein, c'est un petit peu cher. Santé fragile. Les deux, ils sont en PLS. Hein. Il est pas dégueulasse, le petit. Hein. Le petit à gauche, regardez, là, le Rex, il a pris cher. Hein. Par contre, si le Rex a pris cher, c'est dire qu'il va falloir que je le soigne. Il va falloir que je le soigne. Il a gagné le combat. 0 sur 2. Oh les gars, vous êtes à 0 sur 2. Il y a un truc qui m'échappe au niveau du combat là. Je dois pas faire ce qu'il faut. Je dois pas faire ce qu'il faut en fait. Parce que le Rex est resté à son endroit. En gros, il lui a dit à l'autre. Hein... Oh putain, j'ai eu peur. J'ai cru que le Rex était mort. En gros, il lui a dit au Ceratosaure, baisse les yeux, je veux plus te voir. L'autre, il est parti, il a mis les voiles. Mais c'est tout, en fait. Après, ça m'arrange qu'il soit pas mort, hein, parce que le Ceratosaure, là, je le prends, je le vends, et on n'en parle plus, hein, histoire d'éviter qu'il soit mort. Par contre, max de victoire au combat. Est-ce que, du coup, il faut que ce soit une victoire par mort? Est-ce que, entre guillemets, cette intimidation est suffisante? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Ok, vas-y, reste là-bas, voilà. Toi aussi, je vais te soigner. Voilà. On va les soigner, hein. Je suis quelqu'un... Oh, je suis quelqu'un de bien. Non, 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 non. Non, non, j'ai fait le couillon. Je vous ai mis dans la merde, mais moi, je suis comme ça. Je vous soigne derrière, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Allez, tire! Voilà, casse-toi, 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 casse-toi. Viens, 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 on se barre, c'est bon. 7%. Et lui, j'ai besoin de le soigner ou pas? Non, c'est bon, il est soigné. Allez. Les dinos, je vous fais des très gros bisous. Je vous ai... Voilà, j'espère que vous allez bien. Max de victoire, ouais, ok. Donc je pense qu'il doit y avoir une notion de mort, une notion d'arène, une notion de je sais pas trop quoi. Officiellement, c'était pas un combat. J'ai peut-être pas déclaré l'octogone comme il fallait. Du coup, il n'y a pas eu d'octogone, en fait. Allez, vas-y, casse-toi. C'est bon, on est bon. Il n'y a pas eu d'octogone, en fait. Hein. Il n'y a pas eu d'octogone, hein, de ce que j'en comprends. Ah, oh, mais il se retape, c'est con. Ah si, voir le combat. Bah alors, c'est un combat, ça, officiellement. Qu'est-ce qui vous va pas, les mecs? Attends, ils se tapent dessus quand ils sont full soin, en fait. Ils se tapent dessus quand ils sont full soin. Par contre, il encaisse, hein, le Ceratosaure, hein. On est d'accord, hein. Il encaisse. Hein. Bim! Ok, encore un croc, il est mort. Encore un croc, c'est fini pour lui. Dieu. Non mais please! c'est une victoire, ça. Il a gagné, il est en mode... il a gagné, en fait. Oh, pff, ah, ça me... Il y a un truc que je comprends pas du tout. J'hésite à endormir le Ceratosaure et à le vendre. Bien évidemment, c'est risqué dans le sens où je perds quand même pas mal de fric. Bon, on est remonté à 3 millions, hein, donc tout est relatif.
Je ne sais pas. Écoutez, pour l'instant, on va laisser comme ça. Je suis preneur de vos conseils, vraiment. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner, parce que là, je sais pas trop, pour le coup. En plus de ça, en attendant, je ne me suis pas occupé de faire des expéditions, quoi que ce soit. Je me suis occupé de que dalle. En tout cas, ouais, bon, l'argent est remonté, donc c'est pas trop grave, même si on a un peu fait... Voilà, on a un peu fait de la merde, mais c'était rigolo. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner des conseils et surtout un retour d'expérience là-dessus sur comment ça se passe au niveau des combats, parce que là, mes combats, ils sont à zéro. Donc, à un moment donné, entraîner un dinosaure, peut-être qu'il me manque quelque chose, je ne l'ai pas entraîné, je sais pas. Bref, voilà, je compte sur vous et sur vos conseils. Merci énormément d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Perso, j'avoue, j'ai bien rigolé pour le coup. Et du coup, rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup, bye bye!